Une synthèse de ce que l'on peut faire par les analyses organiques appliquées aux échantillons archéologiques et notamment aux produits alimentaires. Alors la présentation sera extrêmement diachronique et on parcourra un peu toute la Méditerranée jusqu'à la Bretagne. Donc là vous voyez par exemple un exemple de cuisine mycénienne sur le site d'Acrotiri à Santorin. Alors, comment se passe une étude? Donc, ce que l'on étudie, c'est les tessons. Ce sont en fait, on va dire, des absorbeurs de nombreuses choses. Donc, ici, j'ai symbolisé par un petit carré gris la céramique qui peut être poissée par donc un film de poids ou non. À gauche, poissée, à droite, elle n'est pas imperméabilisée. Au cours du temps, les molécules de la poix vont diffuser à l'intérieur des pores de la céramique et donc vont enrichir cette céramique en molécules constituant la poix. Puis la céramique va être remplie d'un premier matériau, par exemple du vin. Et là, on voit sur la droite que les molécules de vin vont imprégner le tesson plus rapidement que sur la partie qui est imperméabilisée sur la gauche. Donc voilà, au cours du temps, le tesson s'imprègne des molécules de poix et de vin. Puis, on peut envisager une réutilisation de la céramique, par exemple un deuxième contenu de l'huile. Et là, les petites molécules symbolisées en jaune vont aussi imprégner le tesson au fur et à mesure du temps. Donc, plus le contact est long, plus l'imprégnation est importante. Plus la céramique est poreuse, plus elle est imprégnée. Ensuite, le tesson est abandonné sous terre et il reste quelques milliers d'années. Et là, la céramique est toujours poreuse, donc elle absorbe toujours ce qui est dans son proche environnement. Donc au-dessus, vous avez de la végétation, de l'herbe, des arbres qui perdent leurs feuilles, qui se décomposent, qui forment l'humus. Toutes ces molécules-là vont diffuser à travers les couches de terrain et à un moment vont rencontrer la céramique et vont la charger. Vous avez les animaux au-dessus, des traces d'excréments, de tout ce que vous voulez. Et donc, au fur et à mesure du temps, ce tesson va s'enrichir. Puis après, l'homme arrive avec de nombreuses activités, notamment l'agriculture. Il déverse des pesticides, des engrais, tout ce qu'on veut. Donc, on va les retrouver aussi dans le tesson. Donc, voilà le tesson qui a été absorbé pendant sa phase d'utilisation et pendant sa phase d'enfouissement. Donc, on voit un échantillon qui est assez complexe. Et des matériaux qui ont pu évoluer au cours des milliers d'années d'enfouissement. Donc, on a affaire à des matériaux qui sont dégradés. Dégradés par le temps, dégradés aussi par tous les micro-organismes du sol. Et puis, j'ai pas fait les petites flèches, mais il y a aussi les molécules qui vont diffuser dans l'autre sens et qui vont être perdues. Donc, ça, c'est les phénomènes de lixiviation, de lessivage par les eaux de ruissellement, par exemple. Et on voit que tout est mélangé dans l'épaisseur du tesson. Il n'y a pas de strates comme pour les matériaux minéraux, par exemple. Donc notre problème est comment extrait-on l'information chimique pour essayer de retracer la vie de ce tesson? Alors on fait des prélèvements sur les parois internes de 100 à 500 mg de poudre céramique. Et au laboratoire, on va obtenir quelques microgrammes d'extrait qui vont nous permettre de faire toutes les analyses. Donc voilà, cette poudre céramique est extraite suivant différents protocoles. Vous voyez dans les petits tubes à droite, vous avez des extraits qui sont incolores, qui en fait contiennent ces microgrammes de matière organique, qui sont ensuite analysés. Alors par chromatographie, c'est une méthode. Ici, vous voyez un chromatogramme. Au cours du temps, vous avez des pics qui sont séparés. Donc là, vous en avez trois. Cette technique, la chromatographie, permet de séparer les molécules, mais on ne sait pas quelles elles sont. Et pour cela, on couple la méthode de chromatographie en phase gazeuse, ça s'appelle GC ou liquide, LC. On les couple à la spectrométrie de masse MS. Et la spectrométrie de masse nous donne le spectre de masse, c'est-à-dire la carte d'identité pour chacune des molécules. Une fois qu'on a ce spectre de masse, on peut mettre un nom sur chacun des pics. Donc là, on identifie les molécules. Ça, c'est la première étape d'interprétation des résultats. Deuxième étape, on combine, on trouve des associations moléculaires.
Et vous voyez, alors ce tableau, je ne rentrerai pas en détail, mais à gauche, vous avez toutes les familles chimiques, les lipides, les protéines, les sucres, les tanins, les nucléotides. Et ensuite, en haut, vous avez tous les matériaux, végétaux, animaux, produits de la mer, produits laitiers, résines, etc. Et donc, vous voyez qu'il y a une corrélation entre les marqueurs chimiques et les matériaux. Et à partir de ça, donc ce tableau, on se le construit progressivement à partir des données disponibles dans la littérature et puis de toutes nos analyses d'échantillons de référence, animaux et végétaux. Donc ça touche la phytochimie, la pharmacognosie, la chimie environnementale, la biogéochimie. Et ainsi, on est capable, à partir d'associations moléculaires, d'identifier les matériaux. On propose des hypothèses et troisième étape d'interprétation, on travaille avec des botanistes qui nous valident les hypothèses proposées, qui nous disent c'est possible, cette plante pousse dans cette région géographique ou non, auquel cas ça peut être une plante locale ou alors c'est une importation. Bon, là, vous avez par exemple un travail qu'on a mené sur les encens. Quelle technique analytique utiliser? Donc la matière organique est constituée d'atomes qui en sont ensuite associés entre eux pour créer des molécules organiques. Ces molécules organiques sont combinées entre elles pour former des matériaux homogènes. La nature les arrange pour former des matériaux hétérogènes ou composites. On est alors au stade des matériaux biologiques et l'humain mélange tout, façonne tout et on a des matériaux élaborés. Et en fait, à chaque niveau d'élaboration de la matière, on a des techniques d'analyse. Donc, pour analyser des atomes, les éléments chimiques, on utilise des analyses élémentaires, par exemple la fluorescence X, couplée au nom Oumeb. Ça nous donnera rien du tout pour l'organique, parce que l'organique, c'est du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène. Donc, on ne saura même pas si le carbone est minéral ou organique. Donc, inutile de faire des analyses élémentaires pour identifier un matériau organique. Deuxième stade, la spectrométrie de masse. Comme je vous l'ai indiqué, c'est vraiment l'analyse de référence qui est ensuite couplée à la chromatographie. Et puis, donc, vous voyez que pour les stades de construction plus élaborés de la matière organique, au niveau des matériaux biologiques, on travaille avec des botanistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut étudier? Déjà, des choses qui se voient. Par exemple, des caramels alimentaires, des adhésifs, de la poix déposée à l'intérieur des récipients pour les imperméabiliser. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce que l'on ne voit pas et qui est à l'intérieur du tesson, qui est vraiment imprégné dans les pores. Alors, on peut travailler sur du métal, ça c'est du verre pour commencer. Maintenant, on est capable d'analyser n'importe quel objet en verre. En fait, il y a des traces, des microgrammes qui suffisent à l'analyse organique. Là, vous en avez un exemple. Un petit balsamère à l'intérieur duquel on ne voyait absolument rien. Et par l'analyse, on voit clairement qu'il y a énormément de marqueurs organiques. Et l'interprétation nous permet ici de trouver quelle est la recette qui est à l'intérieur de ce petit balsamère. Donc, c'est une préparation qui est obtenue par décoction de plantes. On le voit à cause des cires végétales, d'une grande proportion de, voilà, ce pic-là, cytostérol, qui est le principal marqueur végétal. Donc, une préparation très riche en matériaux végétaux, en huile végétale et aussi des cendres basiques qui nous font dire, ce sont ces petits points-là, ici, 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 qui nous font dire que cette préparation était en fait un savon. Savon préparé à partir de cendres végétales, d'huile végétale et de plantes en décoction. On peut y étudier de la céramique, alors des amphores, bien sûr, des dolias, mais aussi des céramiques que l'on pense imperméables, de la faïence, du bouquerreau. J'ai mis pour la période médiévale des grès. En fait, le grès piège très très bien les molécules du contenu. Ici, j'avais pu identifier dans le pichet du vin rouge et dans le coquemard une recette de viande à base de vin rouge. Alors, on peut analyser aussi de la pierre, des sols, des aires de travail, ici des fonds de dolia, des éléments en pierre pour le pressurage, pour le recueil du jus de raisin, ici. Donc, on est en Sardaigne au 14-13e siècle avant Jésus-Christ. On peut travailler aussi sur du métal, donc toute la vaisselle de service et de consommation, mais surtout, attention pour le métal et le verre, il faut absolument intervenir avant les restaurateurs qui détruisent tout reste organique. Alors, comment se passe un prélèvement? Pour avoir de bons résultats, il faut faire un bon prélèvement. Donc, généralement,
Pour les céramiques, les pierres, on le fait par fraisage des parois internes. Et pour ne pas polluer, vous voyez qu'en fait, on fraise la céramique soit avec une fraise électrique, soit avec le scalpel, et on recolle sur la feuille de papier aluminium. On en a parlé rapidement hier. Les résultats dépendent énormément du protocole d'extraction. En fait, on ne voit que ce qu'on est capable d'extraire. Donc, il y a le premier protocole qui a été développé par l'équipe d'Evershed en Angleterre dans les années 93-97, qui est utilisé par tout le monde. Et en fait, ce protocole permet d'identifier des huiles, tous les corps gras lipidiques. Donc, des huiles, des graisses animales, des produits laitiers, de la résine, de la poix, des cires ou des gommes et des sucres. Mais on n'a absolument pas accès aux autres molécules qui sont insolubles, et notamment c'est les molécules qui constituent les fruits et les boissons fermentées. Pour cela, on est obligé d'utiliser d'autres méthodes d'extraction qu'a développé Alessandra Pecci en milieu basique ou moi-même en milieu acide. Et là, donc, ce nouveau protocole d'extraction donne accès donc aux marqueurs de fruits, au raisin, au vin et à de nombreux autres matériaux. Il y a les protéines aussi qui nécessitent un autre protocole, et ça, c'est une collaboration que l'on fait avec Caroline Tokarski de l'Université de Lille. Donc, ce sont des méthodes qui sont en cours de développement parce que la matière organique, c'est très très complexe et qu'elle nous pose de nombreux problèmes. Les résultats dépendent aussi de la technique analytique que l'on utilise. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, c'est un bilan que j'avais publié récemment dans les mélanges à Lucien Rivet, en faisant la liste de toutes les méthodes analytiques que l'on peut trouver pour identifier des molécules organiques. Alors, il y en a qui sont totalement inadaptées et qui, pourtant, d'après les auteurs, fournissent des résultats, notamment l'identification du vin. Donc, c'est les spot tests, des tests colorimétriques ou encore la spectrométrie infrarouge. Donc attention, quand vous avez des articles, regardez bien comment a été préparé l'échantillon, par quelle technique il a été analysé et puis qui a fait l'analyse aussi, ça donne certains éléments. Donc à partir de ça, on peut juger de la validité ou non du résultat. Et donc les seules analyses qu'il faut retenir, ce sont, comme je vous l'ai dit, chromatographie en phase gazeuse ou liquide et spectrométrie de masse. Et vous voyez qu'on travaille sur des très petites quantités de matière en organique, pur, on est en dessous du milligramme, on est de l'ordre de 10 microgrammes à peu près. Voilà. Et dernière chose, les analyses, la pertinence des résultats dépendent énormément de l'exploitation et de la discussion. Et pour ceci, donc, je travaille énormément pour la partie végétale avec Elisabeth Dodinet, que vous voyez ici. Donc, si vous vous intéressez si vous voulez en savoir plus sur nos recherches, notamment sur le parfum, il y a un documentaire d'Arte qui a été fait au mois de février, qui est disponible, où là, justement, on a identifié des molécules présentes dans des balsamères, en Étrurie, et ensuite, on a essayé de reconstituer les parfums. Donc, il y a une grosse phase d'archéologie expérimentale et d'analyse des produits ainsi refabriqués. Alors, dans une deuxième partie, je m'intéresserai aux analyses chimiques et à la chaîne opératoire suivie par le matériau, en partant de la production du matériau jusqu'à sa consommation. Quand est-ce qu'on peut faire des analyses? Alors, on peut étudier donc des structures de production. Donc, je n'avais pas de photos joli du site de RIRA, mais j'ai pu faire donc des analyses en 2013 sur une villa vinicole fouillée à Nice, et j'ai pu y analyser il y avait deux cuves et des cupules au fond de ces cuves. J'ai pu analyser les imprégnations. Alors, voyez là, le premier protocole, c'est le protocole classique utilisé depuis 30 ans, donc développé par les Anglais. Qu'est-ce que l'on voit? On voit des matériaux résineux, de la poix de conifère qui est utilisée pour l'imperméabilisation, qui sont là. Et vous en voyez, on ne voit absolument pas de marqueur de raisin. Deuxième protocole, qu'est-ce qu'on sort? Ici, un gros pic d'acide tartrique, qui est le marqueur quasi spécifique du raisin, au moins pour nos contrées. Sinon, c'est de la grenade ou de la banane ou du tamarin, donc on va retenir le raisin. Et puis ici, on a de l'acide succinique et un autre qui sont des marqueurs de fermentation. Donc, on a la preuve qu'on a dans cette cuve du raisin qui a fermenté. Il y
n'y a pas d'acide syringique. L'acide syringique, c'est le marqueur, j'ai dit hier rapidement, marqueur des tanins des raisins noirs et teinturiers. Donc en son absence, on peut dire qu'on a du raisin blanc. Du coup, dans cette cuve, on sait que le jus de raisin blanc a été recueilli et avait déjà fermenté. Alors on peut identifier donc du raisin, faire la différence entre le raisin et le vin, faire la différence aussi entre un vin blanc et un vin rouge, ou raisin blanc, raisin noir. On est capable d'identifier des huiles végétales, notamment l'olive et d'autres huiles qui se distinguent bien, le sésame, le ricin et le benne. On est capable à l'heure actuelle d'identifier des sauces de poisson, donc du garum. Donc, c'est un article en cours sur une étude menée à Etel et à Kerlaz en Bretagne avec Cyril Driard. On a des résultats totalement similaires pour Bello Claudia. On peut identifier des activités de rouissage, la villa de Grigy à côté de Metz, de teinture ou de tannage. Ça, c'est des analyses que j'ai pu mener avec Jean-Pierre Brun dans la tannerie de Pompéi, aussi celle de Sépinoum. On est capable d'identifier aussi des restes végétaux stockés, des herbes, notamment tout ce qui est astéracée ou encore des pissenlits. Un exemple ici, juste à côté de Madrid, la Villa Nueva del Pardillo, ou encore des céréales. Alors les céréales, leur identification dépend si elles ont des marqueurs spécifiques ou non. Pour l'instant, on a beaucoup de problèmes. Celle qui s'identifie très facilement, c'est le millet. Et on voit qu'elle revient très régulièrement à partir de l'âge du bronze moyen. Alors, transport et stockage des denrées. Donc hier, on a vu qu'on était capable d'identifier les matériaux d'imperméabilisation. Généralement, c'est de la poix de conifère, un peu plus rarement de la résine, mélangée à du soufre, de la cire d'abeille ou des graisses animales. On identifie le premier contenu, du vin, de l'huile, des sauces de poisson, de l'olive dans du défrutum, donc là on verra du raisin. Et pour l'instant, on sait faire les sauces de poisson, mais on ne sait pas faire la viande ou les poissons ou les autres aliments conservés en saumure ou dans du miel. On ne sait pas quelle trace ils donnent. Et puis on a des traces de réutilisation des deuxièmes contenus, comme une étude qu'on est en train de mener sur des amphores Ostia 59 avec David Jaoui et Frédéric Marty, ou des amphores vinaires retrouvées en Auvergne sur le site de Coran, qui en fait montraient énormément de graisses animales. Donc ces amphores n'ont pas été importées pour leur graisse, mais en fait pour le vin, utilisé lors des festins. Et ensuite, l'amphore était tout à fait réutilisable. Ils les ont remplis de graisse et ces amphores ont été retrouvés dans une cave au fond d'un atelier de travail du cuir. Et cette graisse est utilisée pour assouplir les cuirs. Les peaux, en fait, étaient trempées dans cette graisse et donc pour des activités de style mégissage. Cette structure-là a été fouillée dans le Limousin. C'était en région parisienne, il y en avait deux. Et donc une fouille de Stéphane Adam, et l'hypothèse était que cette structure a pu être utilisée comme fumoir. Donc on se pose la question, qu'est-ce qu'on va étudier ? On aurait pu étudier le sédiment au sol pour savoir s'il y avait des graisses qui avaient coulé. Bon, malheureusement, les prélèvements n'ont pas été faits à ce moment-là. Donc ce que j'ai pu étudier, c'était en fait les dépôts noirs sur les pierres. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait des composés de suie qui provient de la combustion de bois de résineux et aussi de feuillus, et puis énormément de corps gras d'animal non ruminant avec la peau chauffée, avec un S, parce que c'est le corps gras animal qui est chauffé. Donc on a bien la preuve ici que cette structure a été utilisée pour fumer des morceaux de viande, et on peut dire que c'est de l'animal non ruminant. Un petit tour en Bretagne, au Moyen-Âge, ici, dans l'abbaye de Landévennec. Donc on est au XVe siècle, et ce que l'on a étudié, ce sont ces tessons qui proviennent de galetières, donc qui font 40-50 cm de diamètre. Et vous voyez ici, l'imprégnation, elle est extrêmement visible. C'est en fait cette imprégnation noire sur la partie supérieure. Donc après prélèvement, donc voici l'analyse. Qu'est-ce que l'on a identifié ? Énormément de composés gras, qui en fait correspondent à un corps gras d'animal ruminant. Et puis ici, toute une série de composés qui n'existent pas dans le produit brut, mais qui sont produits par dégradation thermique des molécules de gras.
Donc il y a ceci et puis il y a ceci. Et ça nous fait dire, donc voilà, qu'on a eu une cuisson à très forte température de triglycérides qui sont les marqueurs natifs des graisses. Et cette réaction se passe seulement à partir de 250-280 degrés. Donc on a bien eu une cuisson de matière grasse animale, de ruminants et de produits laitiers. Et en fait, cette céramique était l'ancêtre du biliche. Donc en fait, cette galetière était bien une crêpière du XVe siècle. Et avec ça, qu'est-ce qu'on mangeait dans cette abbaye? Donc on a étudié les imprégnations d'un fond d'une terrine en céramique. Et là, donc voilà le chromatogramme. On le dépouille, on identifie des graisses animales, on identifie donc ici par les acides gras impairs que c'est du ruminant, et ici des matériaux, des composés qui sont un peu bizarres, qui ne se retrouvent pas, un alcane à 29 atomes de carbone, un alcool ramifié. Cette association est très peu répandue dans la nature et correspond en fait à du chou. Donc en fait, on a une belle potée de cochons. Et ruminant, non ruminant, bon, je suis désolé, vous enlevez les pommes de terre sur cette photo, et on a la recette. Et pour finir, donc après avoir préparé ces plats, on les sert et on les consomme. Donc un exemple, à Pietra Monte Corvino, donc à l'est, sur la côte est de l'Italie, à côté de Foggia, où j'ai analysé toute une série de céramiques retrouvées en contexte funéraire. Donc une petite cruche, kylix, une coupe, un bol et une nokoé. Le nokoé, par définition, c'est le vase pour servir le vin. Et quand on fait les analyses, qu'est-ce qu'on trouve? Dans la cruche, on retrouve du vin blanc, dans le kylix, du vin rouge, dans la coupe en impasto, du vin rouge extrêmement abondant. On peut dire en fait que la coupe a été déposée dans la tombe pleine de vin, parce qu'il y a énormément de molécules. Et dans le bol en impasto, du vin blanc. Et dans le nokoé, qu'est-ce qu'on trouve? Absolument aucune trace de raisin. Et vu la sensibilité du protocole, on peut dire que cette nokoé n'a jamais vu de raisin, n'a jamais vu de vin de sa vie. Donc c'est bien possible que cette nokoé soit simplement une cruche à verser de l'eau, contrairement à son nom. Donc voilà, en conclusion, donc ces recherches sont assez récentes. Ça fait, donc vous voyez, 30 ans qu'elles se développent à peu près. Au début, on travaillait sur des grosses quantités de matière, donc 200 grammes sur les amphores, ça c'était en 76, 2 grammes pour les protocoles des années 90. Maintenant, on fait des prélèvements de l'ordre de 100 mg, 50 même pour des objets un peu précieux. On obtient une information extrêmement riche par la chromatographie et la spectrométrie de masse. On obtient des informations sur la fabrication du matériau, comment est-ce qu'il est préparé, comment il est utilisé et les céramiques, si elles sont réutilisées. Donc voilà, tout ceci nous permet, à partir de simples tessons de céramique, d'essayer de reconstituer la vie de l'homme. Et quand on s'intéresse à la cuisine, donc pour finir, on sait identifier les matériaux et progressivement on arrive à savoir comment est-ce qu'ils ont été préparés, s'ils ont été bouillis, s'ils ont été frits, s'ils ont été grillés, fumés, etc. Donc en fait, on se rapproche de l'approche oui, ça, anthropologique, donc définie par Claude Lévi-Strauss sur le cru et le cuit, et donc sur le tétraèdre des recettes qu'il a dessiné. On peut commencer à mettre des points, donc ce que l'on est capable de faire, identifier de la viande, des huiles, du poisson, des légumes, et savoir comment ils ont été préparés. Donc pour mettre des points un peu partout sur chacun des sommets de ce tétraèdre, en fait, on a lancé de nombreux projets d'archéologie expérimentale où justement on refait des recettes d'Apicius, on identifie les marqueurs des produits. Non, des produits bruts, et ensuite on regarde au cours de la recette, de la chaîne opératoire, comment est-ce qu'ils sont conservés, qu'est-ce qu'il reste comme trace dans la casserole qui a servi à fabriquer le matériau, qu'est-ce qu'il reste comme trace dans l'assiette qui a servi à consommer, et puis on a le projet aussi d'enterrer toutes ces céramiques pour savoir qu'est-ce qu'il en reste 1 ou 2 ans après. Voilà, je vous remercie.